Nang's Reborn. Wow! Mes frères et sœurs, ce n'est pas un film, c'est de la réalité. Bienvenue mes frères et sœurs sur Nang's Reborn. Attention à cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Vous n'allez pas me croire, mes frères et sœurs, à ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Quoi? Il y a une star, carrément, qui a fait quelque chose qui est un délire. C'est pas croyable. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Vous serez vraiment plus étonné qu'étonné. Qu'est-ce que c'est ça là à fait? Bon. Ah! C'est ça là, c'est tout simplement levé un beau matin. Elle s'est regardée dans un miroir. Et elle a dit, ouh, je suis trop jolie aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je suis beau, il faut que je fasse quelque chose que personne n'a encore fait. Et vous savez ce que cette star a fait? Vous allez vous le dire, ça va vraiment vous étonner. On ne sait pas si c'est une erreur de sa part. On ne sait pas si c'est fait exprès, mais ce qui est sûr, c'est que voici ce qui s'est passé. C'est ça, là, c'est le jeu comme ça, elle a pris son portable. À un moment donné, elle s'est prise en photo et elle a balancé sur Instagram. Dès qu'elle a balancé cette photo sur Instagram, le monde entier en parlait en même temps. Le monde entier a commencé à parler. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quel était le problème avec cette photo? Le problème avec cette photo était que il a pris cette photo dans une position où il ne devait pas la prendre. Quelle était cette position alors? Mes frères, vous allez le comprendre. Ok. Ne tenons pas tout de peau. Il était nu. Hein? Il s'est pris en photo étant nu. Et il a balancé cette photo-là carrément sur Instagram. Mais qu'est-ce qu'il recherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Moi, c'est pourquoi j'aimerais vraiment bien savoir cela. C'est pourquoi encore nous faisons cette vidéo pour vous montrer toutes ces histoires sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il réellement sur les réseaux sociaux? Ces frères seront d'aller plus loin. Si vous utilisez les réseaux sociaux, abstenez-vous de faire de telles choses. Regardez à l'écran. Wouh! Que voyez-vous, mes frères et sœurs? Waouh! On voit tout simplement une très belle femme. Une femme plus belle que belle. Et que fait-elle? Elle s'est tout simplement prise en photo. Comme ça. Ça alors. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut voir qu'elle a une poitrine. Une poitrine imposante. Mais pourquoi devons-nous prendre des photos avec de telles choses, par poitrine imposante comme ça? Pourquoi devons-nous même poster de telles photos sur Internet? Et je me dis que, oh, la ligne de faire ce qu'on veut. Mais tu t'es mis à poil, c'est comme ça, ça commence. Et ça s'était mis par les histoires de poil. Et nous vous disons en même temps hein, qu'il a fini par retirer cette photo. Parce que les gens ont commencé à mal parler de cette histoire. Donc il a fini par retirer la photo. Il a compris qu'effectivement, il y a un problème. Et que tout ce que nous vous montrons ici, c'est pas de la blague. Mais que faisons-nous sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, nous allons observer ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Regardez ça encore. Ouh! On voit un gars qui est tout simplement devant. Et ce gars-là est tout simplement en train de se mirer. Et pendant qu'il se mire, il se prend en photo. Il se prend carrément en photo. Et il est nu aussi. Est-ce qu'il n'est pas nu? Mais il est plus nu que nu. Mais ici, il s'est bien caché. Il a caché l'autre côté. Sinon, on verrait tout. Est-ce que vous voyez? Ce sont de telles photos que les gens font tirer et les mettre sur Internet. Et ça, c'est pas du tout joli, joli. Regardez ça encore. Waouh! C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Après tout simplement dire que les gens sont là tranquillement de tirer la photo. Mais ce qui est sûr, c'est que le signe du doigt qui a représenté cet homme qui est au milieu là, représente le signe 666. Ça veut dire qu'il y a des adorateurs du diable qui se trouvent parmi nous, on dirait. Ou il a fait inconsciemment. Ça m'étonnerait. Mais nous devons vraiment faire attention à ce que nous postons sur Internet. Internet n'est pas fait pour se mettre nu
ou à poil. Regardez. Les gens se prennent en photo. Tout le monde se prend en photo. Dès qu'on a une caméra comme ça, on se regarde derrière. Ah, je suis joli devant le miroir. Ah, je suis beau. Regarde-moi. Je suis joli. Tout de suite, une photo en même temps. Et ça devient une autre chose. Ah, regardez ça. Il y a tellement de choses. Il y a même des... Regardez-moi ça. Ouh. C'est une publicité, on dirait. Et là, c'est la guerre. Et ce sont de nouveaux jeux aujourd'hui. Les gens veulent tout simplement se battre. Les gens ne veulent plus la paix. Ils ne veulent plus la paix, ils veulent se battre. Et ça, c'est une chose bonne à faire. Mais quand vous regardez bien, dans ce dessin animé, vous pouvez voir un œil qui est dans ce jeu. Vous pouvez voir, oh, vous n'avez pas vu. Est-ce que vous avez vu? Il y avait un œil. Regardez bien. Il y a un œil qui s'ouvre et qui se referme. Un seul œil qui s'ouvre et qui se referme. Regardez là-bas. Oh, vous allez voir, vous allez voir. Oh, ça va venir tout de suite. Ça va venir tout de suite. Vous allez voir. Ça va venir dans peu de temps. Vous allez voir. Vous allez voir, mon frère. Frère, ça, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Regardez là-bas derrière. Il y a un œil. Il y a un œil qui s'ouvre et qui se referme. Cet œil-là, c'est représenter l'œil du diable. Et ça, c'est tout dans le dessin animé. Bon, dans ce jeu, dès que vous voyez un tel truc, vous devez savoir que le diable est présent. Le diable est là. Et vraiment, il y a des choses de l'occultisme au corps du diable qui sont parmi nous. Et quand on va plus loin, on peut voir qu'effectivement, les gens s'amusent bien à prendre des photos et même à mettre sur Internet de belles photos, comme de bonnes nourritures. Ah, j'ai envie de goûter. Est-ce que c'est pas beau? Ça, c'est beau. Mais aujourd'hui, nous allons vous dire qu'il y a même des démons sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Et quand tu trouves une photo où on voit les gens nus comme ça, toi, si tu aimes te masturber, tu es dans les problèmes. Parce que tout de suite, tu vas penser à aller faire les choses dans la douche. C'est un péché. C'est un péché. Mais frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire plus attention qu'attention. Qu'en pensez-vous? Asseyez-vous et regardez bien. Regardez bien encore. Oui. Alors, depuis loin pour savoir plus, quand on clique sur. Hello, ça nous demande de prendre nos points en photo. Vous allez voir, apparemment, nous demande de nous prendre en photo ici. Bon, ok, jetez un coup d'œil. Regardez, c'est comme ça se passe, non? Oui, c'est comme ça se passe. Et les gens se prennent en photo comme ça. Selfie. On se voit, non? Parce qu'on se voit. Bonjour! Et ils se tirent en photo comme ça. Regardez, il se partage. Même, il peut même partager ses photos avec plusieurs personnes. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est que ça apparaît juste là. On espère que ça va apparaître quelque part ici. Est-ce que ça apparaît? Oh, ça apparaît ici. Quand tu es en mode histoire, regardez. De telles photos, on a tout plein sur les réseaux sociaux. Il y a même des personnes qui vont plus loin. Quand on vient ici, on peut voir clairement des choses. Oh, il y a des choses vraiment graves. Vous avez déjà vu à distance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des choses quand même horribles aussi. Hein. Il y a des choses vraiment bizarres. Regardez, cette fille-là, combien elle était assez. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est possible. Il y a toutes sortes de choses sur Internet. Hein. Il y a toutes sortes de choses. Regardez, regardez ça. Hein? On montre les seins. Regardez comme les gens sont habillés. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Exposer les seins comme ça, les seins en l'air. Les gens font de ces choses bizarres. Mais frères et sœurs, ça suffit. Ça suffit vraiment, il faut y aller. Oh, on peut faire de grandes choses. Regardez comme c'est beau. Il y a quand même de belles choses, il y a quand même des choses qui peuvent nous permettre de réfléchir un peu, d'imaginer, de voir des choses extraordinaires. Mais regardez, ici, on a l'impression qu'on voit un père avec sa fille. Un père avec sa fille, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de danser, on dirait. Oh, mais regardez sa fille juste derrière. Comme elle est habillée. Ah, moi, je veux dire qu'elle est pratiquement nue. Et les gens veulent se mettre nus sur Internet. Les gens disent qu'ils veulent être sexy. Tu veux être plus sexy que sexy?
Hey, donc c'est le chou, hein. Et il ne laisse pas la fille, hein, le mec, il ne laisse pas la fille, il ne veut pas laisser la fille, il ne veut pas, il veut montrer la fille qu'il est joli. Hey, danse, hein. Ça, c'est ça les réseaux sociaux aujourd'hui. Voici ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Waouh. Et elle apprécie. Tiens, il y a combien de choux? Ok. Franchement, il y a quand même de belles choses sur Internet. Nous devons avoir un esprit positif. Nous devons tout simplement être bien intentionnés et surtout réfléchir à ce que nous faisons. Parce que votre fille peut mal tourner un moment à l'autre si vous faites une bêtise. Quoi? Il a failli la valer. Il est beau chien. Regardez. Il est beau. Il est vraiment beau. Moi, j'aimerais avoir un gros chien comme ça. Quoi? Vous avez vu, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous prenez une vidéo qui va venir? Franchement, ça va être chaud suivre. N'en soyez pas. Non. S'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Comportez-vous bien, car c'est important. Chaque action que nous posons sur la terre vise de jouer à notre faveur comme à notre défaveur. Faisons attention. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. N'en soyez pas. Wow, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Wow! La suite.